boulevard. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On a été choisi au hasard. Ah, qu'il fait bon déambuler boulevard Saint-Germain par une belle matinée dominicale si bien ensoleillée. C'est magnifique ce temps, c'est magnifique. Mais qui vois-je arriver? Ne serait-ce pas Madame Marshall par hasard? Oui, c'est ce cher docteur Pilar. Bonjour, docteur. Lui-même, chère madame, mes hommages matinaux. Mais qu'est-ce qui vous amène-t-il loin de notre quartier? Chère madame, je reviens de tout à côté de la rue de Rennes, où j'ai été rendre visite à la doyenne de mes patients, 104 ans. Elle m'avait invité pour son anniversaire des 100 ans, pour son centenaire. Il y avait là-bas, à la billetterie, une foule considérable. Et vous savez, elle a toute sa tête, elle écrit encore des poèmes. Et de temps en temps, nous récitons ensemble du Villon. Par exemple, sans parler d'Alfred de Vigny, de Musset. Enfin, nous recitons certains poèmes qui nous rappellent un peu notre jeunesse. Ce n'est pas son âge, croyez-moi. Mais enfin, mais dites-moi, donc je revenais de là-bas, je vais la voir une fois tous les 3 mois. En général, je me fais précéder la veille par mon chauffeur, qui lui apporte une grande boîte de chocolat. Je sais que c'est son péché mignon. Mais dites-moi, chère madame, j'aimerais bien vous invitez, avec votre permission, à prendre un verre ici. Docteur, j'aurais vraiment apprécié cela, mais j'ai tellement peur que mon mari nous surprenne tous les deux assis côte à côte à cette terrasse de café. Comment réagirait-il? Asseyez-vous. Rien à craindre, madame, rien à craindre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Asseyez-vous d'abord. Pour la raison suivante, c'est que premièrement, je ne vois pas ce que ferait votre mari si loin de son domicile un dimanche matin, alors que peut-être il pourrait faire la grasse matinée. Et deuxièmement, vous avez une excuse toute prête. Je passais boulevard Saint-Germain, j'aperçois le docteur Krylov, et je me dis, j'ai besoin d'un renseignement médical, je vais le lui demander ici plutôt qu'à son cabinet, au moins j'économiserai le prix de la consultation. Évidemment, c'est une excuse valable. Voilà. Que désirez-vous boire, messieurs dames? Que prendrez-vous, chère madame? Oh ben, je prendrai bien un citron pressé bien frais. Bien, un citron pressé bien frais, et vous? Eh bien, Jean, vous nous en amènerez deux. Alors, deux citrons pressés bien frais, naturels. Naturels. Bien sûr que je connais son prénom. Vous savez, je viens ici souvent le soir un peu tard après mes consultations pour faire un petit dîner accompagné d'un petit groupe d'amis. Vous savez, ici, boulevard Saint-Germain, c'était un peu mon quartier général quand j'étais jeune. Je venais souvent à la galerie de l'une ou de l'autre, enfin de l'une ou de l'autre de ces galeries dans le quartier, et j'allais souvent à la romerie martiniquaise. Et là, j'y rencontrais un personnage qu'aujourd'hui tout le monde a oublié. Merci Jean. C'est Ferdinand Lope. Ferdinand Lope voulait se présenter à la présidence de la République. Et il venait nous exposer ses idées et nous demander de temps en temps un peu d'argent qu'on lui accorde facilement pour préparer sa campagne. Voilà. Et vous-même, Madame Marshall, serait-il indiscret de vous demander pourquoi vous êtes là? Mais pas du tout, docteur, pas du tout. Mais cela m'agace que vous m'appeliez Madame Marshall. Vraiment, c'est trop protocolaire. Appelez-moi tout simplement Amanda. Oh, je n'osais pas. Amanda, c'est très joli, c'est un prénom qui sonne bien à l'oreille. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Peut-être ai-je été indiscret. Non, 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 pas du tout, docteur. Vous n'avez pas. Appelez-moi Ivan, ne m'appelez plus docteur. Cet après-midi, je suis invitée à un anniversaire et j'ai décidé d'offrir un livre. Mais dans notre quartier, toutes les librairies sont fermées le dimanche. C'est vrai. Alors j'ai décidé de venir à celle du drugstore, qui est très achalandée. Et puis, je vous ai croisé à ce moment-là. Eh bien, chère madame, buvons d'abord à votre santé et à nos prochaines retrouvailles, j'espère.
Mais il est vrai que j'aurais préféré une glace vanille chocolat. Ah. Voyez bien, docteur, que je suis vos préceptes et vos conseils à la lettre. Hein? Je sais, vous êtes une de mes fidèles clientes qui a toujours bien réussi ce qu'elle faisait. Dites-moi, le temps passe vraiment très vite en votre compagnie et je vais devoir vous laisser pour aller rejoindre un ami à qui, malheureusement, j'avais donné rendez-vous pour déjeuner avec lui. Mais peut-être vous plairait-il de dîner avec moi un soir. Très volontiers. D'autant que vous ai-je dit que mon mari est diplomate. Ah, je ne savais pas. Qui travaille au Quai d'Orsay. Et de ce fait, il est amené à s'absenter très souvent. Je suis très souvent seule. Tenez, dans 8 jours, il va partir pour une durée de 6 semaines aux Émirats. Voilà, donc, je suis seule. Et vous ne l'accompagnez pas? Jamais, pas. Mais pourquoi? Jamais. Non, j'ai horreur de ces longs voyages, de ces réceptions dans les ambassades, de ces dîners où les gens sont très guindés, ils parlent pour s'écouter parler, et moi, eh bien, je reste à Paris, et je fais ce qui me plaît. Vous plairait-il, madame, alors, de dîner avec moi? Mais très volontiers, Ivan, très volontiers. Eh bien, chère Amanda, nous dînerons ensemble le lendemain du départ de votre mari. C'est-à-dire lundi prochain. Voilà. Jean. Oui. 25 euros. Ah. Bon, ben écoute, garde-nous. Merci bien. Merci, docteur. Nous finirons nos verres. Ah. Oui, tu peux nous laisser. Oui. Merci, ici aussi, on sait que vous êtes médecin. Mais oui. Savoir que je suis médecin, comme on dit, met une certaine distance entre les gens et moi. Avec vous, ce n'est pas la même chose. On a fait une vanne. Ça nous rapproche. Pour votre compagnie qui ne se sépare, nous allons nous quitter. Je vais faire quelques pas avec vous et rejoindre mon cabinet et mon ami qui m'attend là-bas. Le chapeau. Passez une bonne journée. Je vous dis à bientôt.